Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que je tourne à la suite sur Metro 2033 Redux. Après avoir sauvé un enfant et avoir rendu heureux sa maman, on vient de trouver un nouveau camp safe. Et ça, ça fait plaisir. Toujours dans la direction de sortir des métros, bien évidemment. Je me suis fait une petite gâterie, évidemment, parce que bah, j'ai quand même été le héros de la situation dans le dernier épisode. Alors excusez-moi pour le dernier épisode si la qualité d'image était pas folle. J'ai pas bien géré mes réglages, je m'en excuse. Voilà, je vous le dis, je m'en excuse, je suis désolé. Ça va petit Tu t'es pris pour un soldat ou quoi? Parce que retourne faire des pompes. Bon du coup, on est dans ce petit camp bien sympathique où tout le monde pleure finalement. Mais bon, ils sont en train de manger. Ils ont l'air heureux en tout cas. Vite fait. Nous, on va aller par là-bas, j'imagine. On va continuer notre aventure. Bonsoir, monsieur. Ah, vous vendez des munitions. Ah non, si, munitions secondaires, premier secours. J'ai 3 medipacks sur moi, j'ai encore du filtre à gaz. Munitions. C'est vrai que des munitions, ce serait vraiment pas mal. C'est vrai qu'il serait peut-être temps que je customise mes armes. Mais je ne sais pas. Le meilleur taux de tout le métro. Mais tais-toi. Ah voilà, c'est là qu'on peut customiser. Bon, entre nous, cette arme a un silencieux. Cette arme, c'est une sorte d'arbalète. Donc, elle est tout aussi discrète. On est bien d'accord. Donc j'ai même pas besoin de silencieux. Personnalisé, qu'est-ce que t'as de plus? Optique, on peut avoir donc des viseurs. Viseurs réflexe, etc. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Y a pas le prix. Silencieux, c'est déjà équipé. Si j'ai bien compris. Retirer silencieux. Ouais, c'est ça. On a déjà le silencieux. Alors, le fût atomique permet de contrôler plus facilement le bâtard. Ce qui est particulièrement utile lors des tirs automatiques. Viseur laser, non. Et règle le problème principal. La surchauffe. Bon. Prends chemin, il n'y a pas besoin. En vrai, ça sert à rien de customiser. Je pense que la priorité en soi... La priorité, il a pas l'air convaincu, monsieur. Le meilleur taux de tout le métro, ce serait qu'on se prenne des munes. Genre pour ça. Tac. Ça, c'est pour... Non. Pour lui, un petit peu. Bon, ça, on en retrouvera, je pense. On trouvera des munitions s'il le faut. Vous savez quoi? On va pas tout gaspiller pour ça. Non, par contre, ce qu'il nous faut, c'est des soins. Voilà. Ça guérit tout. Et masque à gaz. Prends ça. Voilà. Ça sert toujours. Faut mieux les gars. Je pense que c'était assez intelligent ce que je viens de faire. Alors, ensuite, bonsoir messieurs. Ah, je croyais qu'il était bugué. Allez, je vous suis, monsieur. Donc là, on va sortir, je crois. Il va appuyer sur le bouton rouge, c'est ça? Oh putain, les gars. Le problème, c'est qu'on va être face à plusieurs types d'ennemis, à savoir les mutants, mais aussi les fachos. Wow. Ouais, on arrive à l'extérieur. C'est parti, les amis. C'est parti. Je retournais de nouveau à la surface et retrouvais le charme sinistre d'un Moscou apocalyptique. On m'avait averti à la brèche qu'un nouveau groupe de Rangers fachos était apparu. Mais j'étais décidé à respecter la dernière volonté du commandant et à transmettre son message à police. Ça va être la galère contre les fachos, ça va partir en cacahuètes. J'ai bien fait d'avoir acheté des munitions, moi je dis. Moi je dis, j'ai bien fait, et de même pour les soins. Bon, donc c'est parti. Direction la surface. C'est les méchants qu'on entend là? Ah ouais. Hey. On dirait qu'il y a... Je me suis déjà fait cramer. Je me suis déjà fait cramer. Aussi vite. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Un blessé.
Alors attends. C'est pas votre guerre, hein. Ah ouais, non mais là je vais me faire Là je suis mort en fait. Je suis totalement mort. Je suis totalement cuit. Ah ouais, bah là c'est fini là. Yes, j'ai mis toutes mes balles à côté. Ah putain. Elle est pas folle l'arbalète là. Oh les gars. Ça one shot pas, hein. Bon, ce qui est bien, je mets tout à côté les gars. C'est bon? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que je peux récupérer mes flèches? Non, par contre je peux récupérer des munitions. Si je peux récupérer mes flèches. Bon. Il y a de la lumière qui bouge là, il y en a encore. Je comprends pas tout là. Fais gaffe, ils sont juste au-dessus en fait. Ah, c'est à cause de ma lumière en fait que je m'étais fait cramer. Fallait le savoir. Parfait. Des munes. On récupère. Bon. On va continuer accroupi, hein. Heureusement que j'ai acheté des filtres à gaz, hein, par contre. Parce qu'à l'extérieur, ça va vite, hein. Puis il va commencer à faire très froid aussi. Ok. Donnez-moi tout ça. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Si on va par là, on va essayer de tout explorer, les gars. Hein. Hop, j'allume la lumière. Tant qu'on y est, on va tout explorer. On va juste pas se précipiter. Oh, parce que si jamais il y a des pièges. Parfait, ça. Un nouveau masque à gaz qui est pas cassé. On a. On peut changer d'arme. C'est quoi ça? Oh! Là, je dis oui. Oh! Attends, j'entends encore des gens. Bon. Je me suis fait cramer. Je sais pas où. Ah ouais. Calmez-vous. Calmez-vous. Attendez, il y avait une note là que je voulais lire. Tu peux lire la note ou on va me faire chier. Je me souviens de la joie qui s'est emparée de moi lorsque j'ai aperçu Bourbon dans la ville déserte, un vivant parmi les morts. Oh, Bourbon, c'est vrai. Qu'est devenu ce sentiment? Ici en surface, parmi les pierres et les eaux pétrifiées, tout n'est que danger. Les animaux mutants, les amis radiés, l'air empoisonné, mais le plus grand danger reste l'homme lui-même. Ça va partir en coup de gueule géopolitique à la fin de la série. Le moindre espace habitable que nous arrachons à ce monde hostile est aussitôt transformé en forteresse et non en colonie paisible. Ouais, merci pour cette belle analyse. C'est bien vrai. En tout cas, voilà. Bon, c'était pas le meilleur plan d'aller là. On aura récupéré une arme. Et ça, c'est bien. Maintenant, faut qu'on sorte. Hein, maintenant faut qu'on sorte. On va aller par là. Salut mec. Waouh. 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 Où ça? En bas.
Non, pas en bas. Attendez, j'ai récupéré une arme et heureusement. Ah, voilà. Grosse merde, va. Waouh, waouh, waouh. Putain. Ça tire d'où? D'en haut, d'en haut, d'en haut. Là. Ok, change de filtre. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Il est où? Là. Par contre, je mets une balle dans la tête et genre il va se relever, on parie? Non, il se relèvera pas lui. Ouais. Bon, faut aller où là? Faut aller là-bas, hein. Ok. C'est compliqué. Je peux pas aller là? Là. Ah ouais. Tu m'étonnes. Il reste plus rien quoi. Alors, attendez, je vais changer d'arme. Piège! Waouh, je l'ai foiré. Enfin, je l'ai évité. Ok, on peut se mettre à l'abri au chaud. Des munitions. Du masque à gaz. Ça, c'est pas mal. Là, non, y a rien. Ok, ça, c'est cool déjà. Bon, mon masque à gaz, il a pris des coups aussi. Hein. Voilà. Ça permet d'avertir de ma présence. Bon bah pas le choix j'imagine, on va continuer par là. On va pas courir, ça sert à rien. Ok, ils sont en train de tirer sur ça va monsieur? Il s'est fait emporter. Non, ça c'est drôle, j'avoue c'est drôle. Est-ce que je vais là? Vas-y. Hein. Je vais suivre le chemin qui me paraît le plus logique. Ça va, monsieur? Ok, bon, lui, il est fini. Oh, aïe, aïe, j'aime pas du tout cette ambiance. Hein. Là, j'imagine qu'on peut pas aller. Un tracteur. Ça va, monsieur? Vous êtes dans un sale état, vous aussi? On peut peut-être descendre. Je suis en train de perdre de la santé, je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que c'est toxique en bas. Ok. Bon, bah on va continuer. On va continuer par là. Et on va monter ici. On va se mettre à l'abri. Encore du parcours les gars. Yes. Je suis pas forcément à l'aise là les gars. Hein. Je suis pas forcément à l'aise. J'entends quelqu'un. Oh, y a des gars juste là. Bah oui. Je fais comment pour monter moi? Je ferais bien d'aller vérifier. Non, on vérifie pas. Bon, on peut pas monter par là. Hein. Manifestement. En même temps, je crois que j'ai pas le choix. Ouais, il faut que je monte par là, mais je sais pas comment. Ouais, par contre les filtres, ça y va. Hein. Bon, comment je monte? Hey, qui va là?
Et ils m'entendent, hein. Ils m'entendent, mais ils me voient pas. Moi, je sais pas comment monter, hein. Oh, je suis un cassos. Je suis un putain de cassos. Oui, arrête de répéter 32 fois les mêmes phrases. Allez, on va leur rendre visite. Je fais comme je peux, les gars, niveau discrétion, je crois que c'est mort. Hein. Bon, je garde la lumière éteinte, les gars. Attends, je vais un peu l'allumer. Éteint. Là. On peut passer par là. En vrai, je pense qu'on aurait pu faire une infiltration. Je pense qu'on aurait pu s'infiltrer. On peut pas monter. Waouh. On va quand même récupérer tout ce qu'on peut récupérer, les gars. On n'entend pas loin, très proche même, un monstre. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. On peut monter là. Et qu'est-ce qui se passe ? Genre il est pas mort. Y'a quelqu'un dans le coin ? Baby ! Un blessé ! Oh ! Un blessé ! Bon alors ? On va manger notre cœur ! Salut. Ah ouais, ils ont écrit un Reich. Bande de fachos. Alors on peut encore monter ou quoi? On peut encore monter. Ah mais si je monte, on va se faire bouffer, hein. Voilà cet épisode, les gars, je parle beaucoup moins, je fais moins le malin. Forcément. On va éteindre toutes les lumières. Bon, il n'y a pas de doute, faut monter, hein. On peut aller là ? On peut pas. Par là. Ça descend. Donc, très peu d'intérêt. Là, on peut monter, là. Adieu. Ah, le là. Bon. On va devoir l'allumer, hein. On va devoir l'allumer, les gars. Waouh. Waouh, mais il fait des trucs trop bizarres aussi. Ah ouais, non, là par contre, juste toutes mes munitions pour ça, ça va pas le faire. Ça va, visiblement je lui fais mal. Elle est pas mal cette arme. Il est où? Là. Putain. Pire que l'Ender Dragon sur Minecraft, les gars. Hein.
Mais mec, il est sorti de nulle part, gros. Il m'a attaqué comme ça, direct. Genre, aucune pitié. Bon, c'est bien, ça reprend ici. Et ça, c'est cool. Bon. Oh là là, on va reprendre direct cette arme-là. Qui peut être vraiment pas mal pour le coup. Oh, j'ai tout mis à côté là. Ah oh, là j'ai tout mis à côté hein. Je lui ai mis une balle. Et c'est tout. Vas-y viens sur moi gros. Ah ouais. Non par contre je lui mets toutes les balles à côté. Est-ce que si je me fais oublier il va se reposer sur le cadavre? Bon bah je crois que là. Oh putain les gars. Là si vous avez des astuces je suis preneur en commentaire les gars. Là ça va être compliqué, en tout cas ça a sauvegardé ici et ça c'est bien. Donc on va pouvoir s'en arrêter là les amis pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, petite infiltration etc. Bon, un peu compliqué là, si vous avez des astuces n'hésitez pas en commentaire à me les donner pour réussir le coup. On se retrouve donc très vite pour le prochain épisode. N'oubliez surtout pas le pouce bleu. Et à très vite, c'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.